The Voice est une émission de télévision française de télécrochet musical diffusée sur TF1 depuis 2012. Depuis son lancement, Nikos Aliagas est l'animateur phare du programme. En 2013, Kenji Girac, alors inconnu du grand public, a fait ses premiers pas sur la scène de The Voice pour son audition à l'aveugle. Avec sa reprise unique de Bella, chanson de Maître Gims, le talent a reçu le buzz de Mika, seul coach à se retourner. Un buzz que l'interprète de Relax n'a pas regretté puisque Kenji Girac lui a offert la victoire de la saison 3. Après sa victoire à The Voice, Kenji Girac a conquis le cœur des téléspectateurs français. Depuis, il fait danser, et pleurer, les Français avec des titres aux airs flamenco comme Color Ritano, Andalouse ou encore Les yeux de la maman. Il a aussi eu l'occasion d'enregistrer un duo avec Ariana Grande, avec qui il est monté sur scène lors de sa tournée. 10 ans après le début de sa carrière, Kenji Girac est un chanteur accompli, sous l'œil de celui qu'il a vu chanter devant un public pour la première fois, Nikos Aliagas. Aussi, l'animateur s'en souvient comme si c'était hier. Kenji Girac est désormais coach dans The Voice Kids, l'émission dérivée de The Voice destinée aux enfants. Durant la deuxième soirée des Battles de la saison 9, Nikos Aliagas s'est alors souvenu des débuts de Kenji Girac. Lorsqu'il se présentait sur le plateau pour la première fois 10 ans plus tôt. Un moment particulièrement émouvant pour l'artiste. Ce mardi 15 août, les téléspectateurs assistent à la sélection des derniers talents de The Voice Kids 9 pour la demi-finale tant attendue, la semaine prochaine. Kenji Girac enchaîne les bourdes en tant que coach cette année. Ainsi, entre deux passages, Nikos Aliagas a pris le temps de taquiner Kenji Girac sur ses débuts sur la même scène que ses talents. D'ailleurs, c'est Slimane qui a lancé le sujet, « Tu sais, moi je connais un mec, un jour il a fait The Voice et tu vois, il chantait un peu de là où il venait. » Et même son premier single par exemple, le titre c'était Ritano. Ce mec-là, il a vendu des millions d'albums, a-t-il plaisanté en s'adressant à Patrick Fiori. Sans tarder, Nikos Aliagas s'est immiscé dans la conversation, ça me dit quelque chose, a-t-il commencé avant de poursuivre, tu parles du gars qui n'était jamais venu sur un plateau de télé de sa vie. Il était venu avec toute sa famille. Le père me regardait en mode attention avec mon fiston. Je m'en souviens encore. Devant ces paroles nostalgiques, Kenji Girac a souri avec des yeux grands.